moi, Sarah, arrête de mentir. Sa tête, c'était un dessin animé. C'était un manga. Je me cachais, hein. J'avais honte de moi. Et puis j'ai rencontré mon amour. Voilà, dégage, connard. Putain, c'est ma place ici. Voilà. Il faut que tu me sauves le coup, là. Tu vois, là, elle, je vais la pécho, tu comprends? Si elle a pas des frites, je vais perdre des points. Et si je perds des points, je vais être en colère. Et si je suis en colère, tu vas être dans la merde, parce que je vais foutre la merde. Très bien, je vais trouver des frites, je vais en trouver. Ne t'en fais pas. Mais tu sens mauvais, Sarah, je voulais pas te le dire. Tu dors où en ce moment? Avec Andy? Oui. Dans les poubelles? Non, dans un carton près de la plage. Écoute-moi, Gracia, j'ai besoin d'éliminer quelqu'un. Il s'appelle Andy. Oh, avec plaisir. J'espère que tu me pardonnes. Peut-être, peut-être pas. Non, je te mets une balle dans la tête. Hein? T'as dit quoi? Ta tête, elle est jolie. Au revoir. Au revoir. Mais... What? Je m'attendais pas que ça allait faire ça. Mais... Putain. La police va arriver à côté de toi. Tu vas te foutre dans la merde. J'ai mis deux balles sans péter, je comprends pas. Viens pousser, cadavre. Oh putain de merde. Bon, heureusement, moi c'est une voiture de Lego, je peux le reconstruire. J'ai abandonné des personnes à qui je tiens le plus au monde. Tu vas apprendre qui je suis vraiment ? C'est moi ton maître ! Oh mais Scoma ! Andy, voilà, ce petit con là, il veut voler ma place. Moi qui vais reconquérir Sarah, ça va pas être évident, putain, avec Andy dans les parages. Donc je vais essayer d'aller où on était l'autre fois, où j'ai déposé Sarah, dans la maison, ouais, dans les trucs bizarres là, dans les dachiteries là, où ils habitent. Je vais essayer d'avoir Andy, je vais le ramener à Grinchia. Comme ça, Grinchia s'occupera de lui. Parce que moi j'ai pas envie de me salir les mains, il est trop dégueulasse, Andy, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et après, on va continuer avec Rémi. Rémi m'a donné rendez-vous ce soir ici pour l'aider à continuer à résoudre l'énigme. Voilà, parce que c'est un peu compliqué, hein, vous savez comment je suis. Donc dans un petit premier temps, on va appeler le trou du cul de Grinchia. Attends, il est où? Allô? Ah. Allô? Mais dis quoi, Jean? Allô? Allô? Tu m'entends? Toi, j'ai dit. Mais t'es en train de niquer? Gros dégueulasse! Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'avais dit, là, le petit gamin, là, Andy, là, je vais le ramener pour toi. Eh bien, c'est le grand jour, Grinch Anouné. J'ai des clients, là. Tu peux pas passer notre jour. Non, je vais le ramener pour toi. Et tu vas t'occuper de lui, ok? Moi, je te le dépose, après, moi, je me tiens. Non, non, non. Dans quel honneur? J'ai des clients, je te rappelle. Le Andy, tu dois le bouffer, tu dois le tuer, tu te rappelles plus? Ah, oh, oui, je t'attends, alors. Oui, t'inquiète. Connard, en espérant qu'Andy il est là-bas, hein. Parce qu'après j'ai du boulot moi putain. Et j'espère qu'il n'y aura pas les flics pour me casser les couilles, hein. Parce qu'en ce moment les flics ils sont chauds. Ils me trompent pas, leur maison sont là. Et moi je casse tout moi. Allez, on va aller voir. Y'a quelqu'un? You! Oh, oh putain, j'en peux plus, j'en peux plus. J'appuie, j'en peux plus. J'ai faim. Andy, c'est moi! Comment ça va? Ah non, c'est toi! Ah putain, Tom, t'étais où? J'ai pas de maman, j'ai pas de papa. J'avais plus de temps, mais t'es là. Ah, t'es de retour. Ah, tiens, viens dans mes bras. Maman, recule, tu pues, putain. Viens dans mes bras avec moi, câlin. Ça fait longtemps que t'es pas vu, Tom. Recule. Attends. Putain, mais attends, tu parlais pas comme ça avant. Tu parlais juste pour faire genre devant tout le monde. Mais tu parlais comme une racaille. Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai perdu tout ça, voilà. Je suis devenu une victime, j'en peux plus. J'ai une meuf à nourrir, j'ai une famille, tu comprends? Bientôt, on va avoir des bébés, des enfants. Et voilà, j'ai pas d'argent, j'ai pas de maman, j'ai pas de papa. J'ai rien, et là, j'ai faim. Ben ouais, j'ai appris que t'étais avec Sarah, hein. Comment tu la connais, toi, Sarah? C'est ma copine à moi, hein, tu la touches pas, hein. Hey, tu la touches pas, hein. Tu la touches pas. Mais tu vas arrêter de
chialer. Comment elle a fait pour t'aimer, putain de merde? Elle m'aime, apparemment. Bah moi aussi je l'aime. Voilà, j'ai pas fait exprès, voilà, c'était ta copine ou quoi? Bah oui, c'était ma copine, mais c'est pas grave, elle est à toi maintenant. Ouais, j'espère bien, parce que si tu touches, ah je vais te niquer ta race, hein, moi je te dis, hein. Parce que moi j'ai pas de maman, j'ai pas de papa, mais j'ai un coup de poing. Ah, moi je vais te mettre un coup de poing, hein. Ok, ok, y a pas de soucis. Hé, hey, t'as grandi, putain. Et toi aussi, t'as changé de vêtements. Putain, mais t'es toujours aussi con. Et Sarah, elle est pas là. Non, Sarah, elle est pas chercher à manger. Parce que moi, j'ai pas mangé, tu vois. C'est chacun son tour. Un coup, c'est moi qui va mendier, tu vois, qui va voir les gens et qui va leur demander. Et un coup, c'est elle. Mais elle, elle est belle, du coup, ça passe plus. Mais toi aussi, t'es un beau gosse, Andy. Faut pas te sous-estimer. Et tu parlais comme une racaille et tout. Ah, tout ça, c'est fini parce que j'ai perdu mes couilles. Voilà, j'ai peur maintenant. J'ai peur, j'ai perdu confiance en moi. J'ai honte de moi. J'ai une famille, j'ai une femme. Je suis même pas capable de les nourrir. Je vis dans une tente, j'en ai marre. Je me remets en question. Je me dis, je mérite pas de vivre. Donc, prends un couteau, tu vois, attends. Prends un couteau, dis-moi. Putain, mais ressaisis-toi. Mais comment il fait, Sarah? Sarah, je l'aime. Je l'aime, je l'aime de tout mon corps. Je l'aime, je l'aime. Mais elle est trop jeune pour toi. Non, c'est pas l'âge qui compte. Moi, j'ai 13 ans maintenant. 13 ans et toujours aussi con, putain. Qu'est-ce que je vais faire de toi, Andy? Tu me donnes à manger. Mais ben, justement, c'est ton jour de chance. Tu vas venir avec moi et je vais t'emmener dans un restaurant et tu vas bouffer à volonté. Ah, je vais manger. Je vais manger enfin. Ah, enfin, je vais manger, putain, depuis le temps que j'attendais ça. Ah, j'en ai marre de fouiller dans les poubelles, tout ça, manger des peaux bananes, hein, ou du reste, du caca, du pipi, j'en ai marre. Ah, une fois, j'ai fouillé une poubelle, j'ai trouvé une couche, et il y avait du sang à l'intérieur. Et du coup, je l'ai pris, j'ai fait du cup-cup et de la confiture, j'ai mis dans mon sandwich. Ah, il y avait un bon goût, mais bon, c'était un peu salé, il y avait un goût de fer, on dirait du sang. Oh putain. Bon, c'est pas grave. Wouah, c'est quoi cette voiture? Wouah, c'est quoi cette voiture? Oh là là, c'est trop stylé. Oh là là, je vais conduire. Oh là là. Oh là là. C'est une voiture faite par moi-même, en Lego. Ça fait longtemps que j'ai pas allé dans un restaurant. Oh là là, comment je vais me régaler? Je vais manger, j'ai la faim. La faim, c'est mon pire ennemi, Tom. Mais putain, mais par contre, ça fait bizarre. Avant, tu parlais en mode racaille et tout. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Sarah qui m'a fait devenir comme ça. Je suis un gentil maintenant. Regarde, à ta gauche, ici. Ouais, c'est quoi? Waouh, c'est ça, un restaurant? Oui, mais par contre, les gens, ils se garent mal ici. Hein. Hop là. Oh putain. Voilà. Oh, lui encore avec sa voiture, là. Putain, il a l'assurance sur sa voiture. Attention, Tom. Attention, c'est mort. Non mais t'inquiète, c'est la routine ici, c'est ma place, il connaît très bien que c'est ma place. Coucou, Gracia. Salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuh. Je fais la bise. Ah, c'est quoi cette horreur? Ah, vert, il est dégueulasse. Ah, qu'est-ce que... Non, j'ai peur, je veux faire des cauchemars. C'est une cuisine ici. Non mais t'inquiète pas, Andy. C'est pas un accoutrement pour rentrer ici. J'ai emmené mon ami là, tu sais, à qui il a pas mangé depuis longtemps, tu vois. Alors mon petit, comment va-t-il? Attends, j'ai peur, je viens avec toi. Attends, je vais mettre. Allez, viens, attends. Le faire. Oui, t'inquiète. Bonjour. Ça va ou quoi? Mon petit homme va te mettre de l'autre côté de la pièce. Attends, j'ai dit bonjour, Andy. Bah dis bonjour. Viens ici. Il y a fait longtemps que j'ai pas vu des gens. Vos plats arrivent, messieurs. Vos plats arrivent. Bonjour, monsieur. Vous allez bien? Oui, ne dérangez pas. Ça va bien. Il fait peur, lui. Pourquoi il y a des photos comme ça partout? J'ai peur, Tom. Ah, j'ai fait des cauchemars. Non, mais t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Je vous prierai. Fais des bons plats. De vous installer à une table. Viens, je vais te montrer. Il y a un passage secret et tout. Viens voir. Il y a un passage secret. Y'a pas de secret, il veut pas de secret, moi. Oui, non, y'a pas de passage secret. Si, y'a un passage secret, viens voir. Tu sais, les enfants. Oh, bah quoi, moi? En salle. Mais après... Vite. Ok, viens, Andy, viens. On va s'asseoir ici, on va pas déranger tout le monde. Oh, ça sent bon, en tout cas. Ouais, t'avais raison, mais j'ai peur. Pourquoi y'a un ange de la mort ici? J'espère qu'ils sont grillés à votre coup. Il va me planter. Racha, bouffin, dépêche-toi, là, le vieux. Ne me fais pas honte. Attends, je vais te parler. J'arrive, les enfants. Je dois aller chercher les accompagnements pour les messieurs. J'arrive, Andy, j'arrive. Je vais lui parler. Il est tout à toi. Merci, très aimable à toi. Je retiens ça. Après, il lui fait pas trop de mal aussi. Il me fait pitié, tu vois. Regarde, c'était mon copain avant. Voilà, il fait pitié, mais bon, l'amour n'a pas de pitié, tu vois. Voilà, exactement. Et après, tu n'oublies pas ce que tu m'as dit, l'antidote, tout ça, là, pour que... Un antidote pour que Sarah tombe amoureuse de moi. Oui, mais ça, c'est... Ça ne t'inquiète pas, c'est déjà fait, c'est chez moi. Ok, ben, on fait comme ça, alors. Ben, attends, ben, moi, je vais y aller, moi, je te laisse avec lui. Oui, oui. Je vais te donner
un peu d'argent, moi je dois y aller, viens. Eh, je viens, je viens. Tu vas aider tonton Grincha. Ah, ça, c'est pas un tonton, ça. C'est Voldemort. Ah, c'est Voldemort, le mec. Ah. Je te permets. J'ai peur, il va oui, me lancer. Mon petit enfant, je sais, je... Ah. Non, je suis très, très gentil. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Ouais, merci beaucoup, Tom. Tu me sauves la vie, là. J'avais bien mangé. J'aurais dû inviter Sarah. Mais après, tu prendras un peu en portée pour lui, ok? Ok, d'accord. Oh putain, il va se faire défoncer par Grincha. Voilà, je suis là. Ah, va merci. À ta table. Merci, va... tu m'as donné la non. purée. Merci. Rends beaucoup. La purée, monsieur. Rends la purée. Oh, c'est pour moi la purée. J'ai faim, moi. J'ai faim. J'ai pas d'argent. Ça, je vous amène une autre purée. Va à table. Oh, rends-nous une purée, sale gosse. Ah. Va à table. Oh, tu n'as rien à faire en cuisine. Je mange ici. J'ai peur. Là-bas, il y a les photos. Ah, monsieur, j'ai peur. Il y a les photos. Il y a les photos. Reste ici, immobile, sans sage comme une image. Je donne la oui, purée, d'accord. Monsieur, j'arrive. Merci, ne monsieur. Bouge pas. Oui, je veux manger. Ah, c'est quoi ça? Frigidateur, il est grand. Oui, c'est un frigo. D'accord. Allez, pas de tisa. La purée. Ah, ça m'a donné de la force. Voilà. Ah, waouh, je suis un super héros maintenant. Wouhou. Oh, je vais prendre le couteau là. C'est quoi ça? C'est un couteau. Ne touche pas mon couteau. Oh, putain, tu m'as donné de la force, ça. Monsieur. Tu m'as donné de la force. Ça fait longtemps. Non, moi, j'ai pas bien mangé comme ça. Je veux encore manger. Je veux encore manger. Tu... Ouais. Wouhou. Tu vas bien manger. Ne t'en fais pas. Range-moi ça. T'interdis de toucher à la déco. Ça m'a coûté un bras. Tu es un super héros. Ouais. Tu vas pas me faire courir dans toute la cuisine. Ouais, voilà, je suis un petit héros. Et si, petit garçon, il sort ça. Il m'a peur de lui maintenant, range ce couteau. Assieds-toi, mon petit garçon. Allez, un petit effort. Va encore manger, s'il te plaît, monsieur. Oui, je vais t'apporter toutes j'ai sortes peur, de bonnes choses à manger. J'ai peur de ça. Pourquoi il y a des trucs d'horreur? Pourquoi? C'est dans la thématique. C'est un spécial Halloween, tu n'as qu'à te dire. D'accord. Et quoi, Halloween? Tu vas... C'est quoi, Halloween? Les clients partent. Et d'accord. Après, je vais t'offrir toutes sortes de desserts. D'accord, alors... monsieur, y a pas de problème. Pourquoi la viande là-bas, il y avait des tatouages sur la viande? Ne rien, c'est le grill qui laisse des marques. Tu veux un tatouage d'un scorpion sur la viande là-bas? Oui, et tu veux un piercing aussi sur la viande? Vous voudrez bien y aller, messieurs. J'ai vu un piercing aussi. Pourquoi vous piercing? Merci à vous. Et bonne soirée. Merci à vous. Pourquoi il y avait des piercings? Sale gosse. Écoute-moi bien. Suis-moi de suite dans la cuisine. Ah, pourquoi tu cries avec moi? J'ai peur, moi! Je ne crie pas! Ah, crie pas, y'a moi! Monsieur, moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas de maman, j'ai pas de papa! Écoute-moi! Non, je te prends le couteau! Non, tiens-moi mon couteau! Non, non, c'est mon couteau! C'est mon couteau! Non, non! J'ai besoin, écoute, monsieur! Écoute-moi, j'ai besoin d'un couteau! J'ai besoin d'un couteau parce que quand je pluche les fruits ou à manger, quand on trouve des bides dans les poubelles, etc., tu n'auras pas besoin. Je veux pas les plucher, je veux les plucher! Tout est bon, tout est prêt, tout est... Tu vas pas me faire courir! Monsieur, j'ai besoin d'un couteau! Laissez-moi un couteau! Ah! Monsieur! Attends, je vais tout expliquer, monsieur. Je vais donner un couteau pour couper des trucs, pour manger. Laissez-moi, Sarah sera content. Ah, j'ai peur, non. Reviens ici, je te dis. Lâche-moi. Je vais te... Oh, pardon, monsieur. Pardon, j'ai pas fait exprès. J'ai peur. C'est quoi ça? Pas ici, je t'interdis C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je me relève. Oh, ça pue! Oh, merde! Non! Au secours! J'ai peur! Putain! Au secours! Reviens ici! Il y a des morts! Je vais tout t'expliquer! J'ai peur. C'est sur le thème d'Halloween. Je vais mourir. Je m'évanouis. Ah non, je ne suis pas d'accord. La viande, faut qu'elle bouge, pour que les muscles travaillent, que le sang circule, pour que la viande s'attendrisse, qu'elle ne soit pas rêche. Tu vas pas me faire ça maintenant. Promis la meilleure qualité à mes clients. Bouge. Fais monter chercher du piment. Ça devrait le faire réagir. Oh, j'ai fait un cauchemar ou quoi? Non, c'est pas un cauchemar, c'est quoi ça? Oh là là, dans quoi tombé, Tom? Tu m'as mis dans quoi? Putain, j'ai peur. Oh, j'ai des sièges électriques, ça? C'est quoi ça? Brave Jean, on est fermé. Je suis fermé. Repassez demain. Électrique, ça? Attends, je vais appuyer. Oh, je l'ai activé, là. Oh, y'a de l'eau, ça va faire un court-circuit. Moi, je monte en haut, moi. Oh, secours, y'a quelqu'un? Et voilà, les petits piments. Alors viens ici, espèce de petit... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai pas fait exprès, c'est pas un meurtrier, moi je suis pas un tueur. Au secours! Non, laissez-moi. Fais pas ça, petit là. Au secours!
conduire. Ah, y'a pas de maman, y'a pas de papa, y'a rien. Ah là là, c'est bon, on est la nuit. On est arrivé, on va pouvoir continuer avec... avec Rémi. Oh, attends, j'ai un appel. Là, allô, mon petit Gracia. Qu'est-ce que c'est que ce crétin que tu m'as ramené? Qui a peur de son ombre? T'as dit quoi? Comment allô ça, ce crétin? Ce crétin qui est parti avec ma voiture. Je sais. Il me fume trop. Allez, avec ma voiture. Mais non, mais est-ce comment ça? Mais t'es un incapable. Je t'ai dit de te tuer. T'es un incapable. T'es quoi, connard? Oh non, je vais te enculer, Gracia. Je reviens au restaurant. Je vais te pourrir la vie. Sale con, je vais te... Mais tu l'as pas tué. C'est trop ça. Gracia, explique-moi calmement. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas me ramener tes fesses. Tu vas ramener ton... collègue, j'en peux plus. Il m'a saccagé la cuisine, électrocuté, carbonisé, découpé. J'en ai marre de me faire défoncer par des sales gamins dans les fesses. Retrouve-moi le, sinon tu vas passer un sale quart d'heure. Allô, Gris. Oh. Oh non. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il a fait? On me dit, putain, il a la rage. Il est pas bien. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un fou rire comme... Bon, je m'occuperai de ça plus tard, mais putain, il a la rage, Gracia. Oh, le Andy aussi, mais il est beaucoup plus malin que ça, là, en fait, le Andy. Je m'occupe de lui après, putain. C'est pas grave, putain, je vais finir avec ça, là. Je vais aller vite voir Rémi, qui doit m'attendre. Apparemment, il a besoin de moi. Ça donne toujours la chair de poule ici, hein, putain. Tonton Rémi, me voilà. Me voilà, tonton Rémi. C'est pas trop tôt, putain, ça fait déjà... Hé, hey, t'es en retard, putain. Ouais, désolé, j'avais un petit appel, là. Je devais régler quelques petits trucs. Ok, ok, bon, mon petit homme. Ah, putain, je crois avoir trouvé une solution. Bon, ça va nous débloquer sur une nouvelle piste. Ah, bah c'est intéressant, ça, c'est déjà beaucoup. Non, comment te dire, Tom? Tu vois, tous ces livres, comme on dit, ici, cet endroit, il est un peu spécial, c'est un peu petit. Et je t'ai dit que les livres, il y a des millions et des milliers et des milliers et des milliers de livres. Il faut trouver le bon livre. Mais pour trouver le bon livre, il faut trouver le bon endroit, la bonne bibliothèque. Dans cette bibliothèque, il faut faire une formule magique pour nous ramener dans une autre bibliothèque. Ah ouais? Mais comment faut faire? Ben, le problème, moi, voilà, ça marche pas parce que je suis un peu sale, on va dire, intérieurement. Tu vois, il faut que c'est un petit, quelqu'un qui a l'esprit propre, innocent, tu vois, un jeune, l'âme qui est pure, voilà. Toi, t'es pur, toi, parce que t'es petit, tu vois. Ouais, je suis pur, moi, je peux essayer, donc il faut faire quoi? En gros, il va falloir faire une formule magique, mais il faudra que c'est toi qui le dis. Mais je suis pas un sorcier, moi! Et importe, il faut que le cœur soit pur pour nous emmener dans cet endroit qui est magnifique et rempli de mystères et de magie. Donc c'est vraiment vrai, alors. Et ouais. Donc, si je comprends bien, il faut que je dise une formule magique qui va nous ramener dans un autre monde, dans une autre bibliothèque, et que c'est là, peut-être, qu'on trouvera le livre. Exactement, mon petit homme, t'as tout compris. Mais pour cela, ça va pas se passer comme ça. Il faut que t'as l'esprit propre. Oh, il faut que t'aies quelqu'un d'innocent, qui ne ferait même pas mal à une mouche. Ah, moi, j'ai déjà tué des gens. Oui, mais t'es petit, tu vois, tu sais pas ce que tu fais, tu vois. À un moment, ça va fonctionner. Arrête de me faire peur. Je veux que ça fonctionne, parce qu'il y a que toi qui peux m'aider. Bah, allez, vas-y, on va tester. Voilà, parce que moi, je sais ce que je fais, hein. Quand je tue quelqu'un, je prends du plaisir. Bon, allez, je vais prendre le livre dans ma main. Voilà le livre, voilà, il est là. Attends, regarde, c'est cette formule magique. Donc on est vraiment dans Harry Potter, je suis choqué. Arrête, Thomas, c'est pas question d'Harry Potter. La magie, ça existe, que tu le crois ou pas. Bah si, je le crois, je sais, j'en ai déjà vu. Mais putain, venant de toi, j'aurais jamais imaginé. Mais putain, j'aurais dû m'en douter en voyant ta gueule. Putain, ta gueule qui est si moche, la malédiction. On t'a vu ta gueule, tes oreilles. Silence, silence, silence. Écoute, la formule pour se téléporter dans cet endroit, enlever la voile qui est entre nos yeux et pour voir cet endroit, la formule c'est Dea pro mihi, audite mus dicor, pate patio, pate patio, prodingiam prono, onostotus. Mais qu'est-ce que tu m'as dit? Moi, bah, j'ai du mal à dire, là, c'est juste là, là, regarde, c'est écrit là, tu vois, je répète. Dea pro mihi, audite meos dicor, pate patio, prodingiam pronostotus. Alors là, c'est vraiment bizarre, mais je vais le faire. Allez, tu peux le faire, regarde, tu vas dire cette formule magique et ça va nous emmener à un endroit dans une bibliothèque magique. Ok, allez. Vraiment, tiens-moi la main. Oh, même pas en rêve, je touche ta main. Il faut que tu me tiens la main droite. Non, Berg, jamais. Écoute-moi bien. Et tu veux pas savoir ce qui se cache derrière cette porte, hein? Tu veux savoir ce qui se passe quand même, hein? Allez, mon petit homme, tiens-moi la main parce que c'est moi qui a de la magie en moi. Tu me tiens ma main, tu dis la formule, ça va marcher normalement. Ok. Dea pro mihi, audite mus dico, pate pacio, randijam pronostotus. C'est bizarre que ça marche pas. C'est pas normal ça. Refais-le. Putain, mais t'es une âme pure. T'es un gamin, normalement ça peut que marcher, putain. Allez, il faut que tu me sauves la vie, Tom. Allez, s'il te plaît. Oui, mais attends, je fais ce que je peux. Dea pro mihi, audite meus dico, pate patio, prodingiam pronostotus. Et
non, ça marche pas, c'est bon, ça marche pas, ça marche pas. C'est parce que t'es pas pur, Tom. Regarde-moi bien, espèce de petit con. T'es qu'un connard, t'es sale. T'es aussi sale que moi à l'intérieur. T'es pas propre, il nous faut une âme pure. Quelqu'un qui est innocent, qui... Oh là là, qui... Je suis désolé, je fais ce que je peux, ok. On est dans la merde, on est dans la merde, putain. Comment je vais faire, Tom? Mais sinon, j'ai une idée. C'est quoi ton idée? Je connais quelqu'un qui pourra nous aider. Il s'appelle Onzi. Il est un peu con, il sait pas ce qu'il fait. Aujourd'hui, il est au bout de sa vie. Il a plus confiance en lui. Il est innocent. Il sait même pas ce qu'il fait. Oh, attends, c'est intéressant ça. Connais quelqu'un comme ça et c'est un gamin. Oui, c'est un gamin. Voilà, avant il était mauvais. C'était un voleur. On dirait qu'il a eu un cœur. Voilà. Mais c'est ça qu'il nous faut. Oui, voilà, c'est lui. Voilà, c'est lui qui donne la formule, putain. Il va savoir tout ça, notre QG. Non, tu le ramènes ici, tu lui mets un stack sur la tête. Il va pas savoir. Et puis on va lui faire oublier, t'inquiète pas, ok. Ramène-le-moi vite, je te fais confiance. Hein, tu le bandes les yeux et tout. Ok, ben je reviens. À tout de suite. Ah, j'ai peur. J'ai un sac papier sur la tête. J'ai peur, moi, Tom. J'ai peur. Je te tiens là, je te porte. On est bientôt arrivé. Ah, attention, crois pas vite. Ah, j'ai peur. Mais ta gueule, putain, arrête de crier. Tu veux réveiller les voisins. Ah, je l'ai électrocuté. J'ai peur, Tom. Il va m'en vouloir. Il va venir, il va me tuer. Mais non, il est con, lui, t'inquiète pas. T'enlèves le sac. Ah, oh non, c'est comme tout à l'heure. Ah, c'est dans un sous-sol comme ça. Ah non, t'es comme lui. Comme lui, tu vas me tuer, c'est ça. Tu vas me faire du mal. Tu vas me électrocuter, toi aussi. Andy, regarde-moi. N'aie pas peur, suis-moi, d'accord. Tu vas avoir 1 million de dollars ou pas? 1 million de dollars, ouais. Comme ça, tu retrouves mon cousin Marco. Parce que lui aussi, je l'ai abandonné, tu vois. Et puis une nouvelle de lui. Ouais, il a essayé de me niquer, voilà. Mais moi, je l'aime toujours. Avant qu'il y avait personne, voilà, il était là pour moi. T'es pas dit de me raconter ta vie. Allez, viens. Waouh, c'est grand. C'est quoi ça? C'est un trou. Oh, un trou dans le mur. Ah, c'est comme les films, là. J'ai regardé un film dernièrement, c'était comme ça. Youhou! Et je vais le retrouver. Putain, j'espère que je lui fais confiance. Ah, Tom, te voilà. Ah, putain. Mais non, quoi, un monstre, putain. On dirait l'autre en plus petit. Ah, Tom, j'ai peur. Pourquoi tu m'emmènes dans des trucs comme ça? Mais putain, mais tu m'as emmené quoi encore, là, putain, ce crétin, là? Oh là là. En plus, ça pue. Non, mais fais-lui confiance. Fais-lui confiance, tonton Rémi. Ah, j'ai peur. Avance, j'ai dit 1 million de dollars. Concentre-toi, là. Prends confiance en toi, putain de merde. Ah, mais moi, j'ai peur parce que j'ai fait mal à l'autre tout à l'heure. J'ai suis maladroit, j'ai pas fait esprit. Il a électrocuté, putain, je l'ai vu. Ses cheveux ont grédi. Oh là là! Ah ouais, je crois que c'est lui qu'il nous faut. Il a l'air d'être tellement innocent, putain. Ah, pourquoi? Il y a un petit comme ça, là, mais il est vilain, il est vieux. Comment ça se fait? Ah, il a un gros nez aussi. Eh, hey, petit, t'inquiète pas. Alors, il t'a parlé de... Non, mais t'as parlé de ce que je t'avais dit, là. De ce qu'il est pour 1 million de dollars. T'as juste à lire quelque chose, c'est tout. Il nous faut quelqu'un de sérieux. Je veux bien, moi. J'ai pas de problème. Bah, je sais pas lire. C'est ça, le problème. Oh non. Oh non. Non. Putain, Tom! Tu m'as pas dit que t'étais espèce de connard! Mais c'est pas grave, il va répéter! Oh putain, on n'est pas sorti de l'auberge, j'essaie de répéter au moins! Non, j'ai pas pété, putain! Pourquoi tout le temps on m'accuse? Ah, j'ai pas pété, ok? C'est moi qui a pété, ok? Oui, je t'ai dit, c'est un peu compliqué, il est un peu con. Non, c'est pas grave, allez, viens avec moi! Non, répétez, tu répètes ce que je te dis! Ok, d'accord. Suivez-moi, tiens-moi la main droite! Ok, d'accord. Et toi, Tom, tu me tiens, tiens-moi l'oreille! Oh putain, mais plus quoi encore, putain! Allez, on va aller tous dans l'autre monde! Ah, j'aurai mon argent, moi! Oui, t'as juste à répéter ce qu'il y a, ce que je vais te dire, ok? Attends, je vais prendre le lit. Alors, es-tu prêt? Ouais. Et à promis. Mais répète, putain! Ah, d'accord, désolé, répète, j'ai pas compris. Et à promis. Bah, j'ai pas compris ce que tu dis, putain. Mais c'est normal, putain, c'est une formule magique, mais t'es plus de moi. Ah, ah d'accord. Putain, mais Andy, concentre-toi, on t'a dit de répéter, c'est normal, je comprends pas, c'est une formule magique. Mais comment ça, des formules magiques? Il m'a dit, il faut que je lis un truc. Tiens, formule magique, ne te pose pas de questions, je t'ai dit, pense à l'argent. Ok. Dea promis. Dea promis. Audite mes dico. Audite mes dico. Pate passion. Pate passion. Prongingam pro. Prongingam pro. Nas totis. Nas totis. Ah! Ah, voilà, ça marche! Ah, j'ai peur! Au secours! Ah, j'ai pas de maman, j'ai pas de papa! Ça me trompe! Oh putain, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tenez-moi la main! Tenez-moi la main, chacun! On va y aller! Oh putain! Au secours! Faut que ça va bien se passer!